peux parler de ce que je veux. C'est-à-dire en fait que je parle, etc. Voilà, donc, après, il y a une distance. Hein. Pas trop une mini-série en fait. Oh oui, donc une série. J'avais même bien passé du temps. Hein. Dire les gens. Oui, donc des fois il y aura peut-être des ellipses de un mois et ils auront une base totale énorme. Il y aura peut-être des petites vidéos avec du gros changement. Hein. Oui, alors on peut pas. Aussi les gens, vous allez dire, vous avez pas. Je vous conseille de venir sur ce site. A une particularité qui vous permet d'avoir 70 000 ici. Ce qui veut dire que chaque point, tous les petits points qui regardent la vidéo, ils appellent tous les petits points. Donnez-nous un commentaire. Là. J'essaye de venir au cercle de ferme pour certains dîners de cercle de dis-leur que c'est un super cerve et qu'il faut qu'il vienne parce que c'est super cool. Et mec,
t'as le dos droit. Bon, attends. Attends. Alors, mesdames et messieurs, le caméraman, Black, viens. Je vais vous montrer comment assassiner une biquette. Alors, c'est très simple. Prenez votre arc. Vous visez la tête et ensuite. Et ensuite. BAM! Et vous voyez, ça résiste très bien donc. C'est nickel, hein. On va pas la tuer. Non, mais. Oh! Oh! Non! Bah non, elle est là. Bah oui, elle a la flèche dans le crâne. Je la reconnais dans le premier. Bah, je peux pas. Ça va, petite biquette. Pardon. Putain, c'est la Saint-Biquette. Elle marche sur l'eau. Waouh! Waouh! Les gens ils m'entendent pas si. Alors regardez, les gens, on va vous montrer aujourd'hui comment tamer un gerboa. Alors c'est très simple, tu vois ton gerboa et tu te mets comme ça, et voilà, c'est bon, il s'est endormi. Pas trop faire pour rien faire parce qu'on n'a pas de baie. Esclave, va chercher des baies. C'est sa vidéo. Oui, ouais, un décart, hein. Pas de journée. Oui, mais. Vite, les narcos. Les narcos, plus vite! Les narcos, vite! Vite! On va le perdre! Au secours! Si les gens. Mettez en commentaire comment vous voulez appeler cette femelle gerboa, ok? Oui, attends. Que ça soit clair, les gars. Je veux que vous nous dites en commentaire comment vous allez appeler cette Pikachu. Alors, n'hésitez pas à faire des jeux de mots avec ce point. Gerboa. C'est une femelle, hein. Je veux un nom de femelle. Non. Et moi, je veux pas de Pikachu ici. On n'est pas sur Pokémon! Merci. Pas sûr. Les gars, vous voulez. Voilà. On est quitte. Attendez. Alors, vous voyez, les gens, il y a une baie qui s'appelle la narcopédie qui vous permet en fait de droguer votre animal et donc de l'endormir. Ça le mourrait. Les gens, n'oubliez pas,
en commentaire, vous mettez un nom, n'importe quel nom pour un gerboa, une femelle, hein, une petite gerboa, je veux, avec un nom qui rime avec son espèce, c'est-à-dire gerboa. Ou si vous n'avez pas d'inspiration, ou lui, nom de votre grand-mère. C'est tout ce que je peux conseiller. Hein. Mec, il fait tellement froid la nuit que je me dégèle quand même. Ah non, c'est bon. Je viens de tamer gerbois, deuxième gerbois, black, donc je suis nommé black. Parfois je te dis, je renommerai très bien. Je dirais dans les commentaires le nom de deux gerbois, donc une femelle. Vous devez renommer petit mâle, vous, voilà. Vous devez renommer aussi cette petite femelle aussi le para à la cuisse. Et cette petite femelle que vous allez devoir renommer. Une petite femelle beige gerboa à renommer et un petit roux mâle à renommer. Je veux juste des noms mâles et des noms. Ah ouais. Ouais, ouais, moi j'ai une bica parce que c'est steak et ah. Ouais. Putain, j'ai failli tuer. Mets ton gerbois, mets-le sur.
crois que je vais mettre mon micro ton actif.
Thank you.
voir les gens. Ce sera l'épisode 2. Avec... Au revoir.